Dina. Jesse. Faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde Joël. C'est ton préféré. Dina, Jesse. Ils sont où tous les deux? Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. On tape. On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Ouais. Salut. Salut toi. Tu viens de fermer la porte. Ok. En route. D'après ta carte, l'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Ok, vas-y.
Ok. Merci. Qu'est-ce que t'as dit à Dina ? On espérait trouver Tony à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non, c'est bon. L'aquarium, c'est une base Wolf ? Non, je crois pas. Nora a dit qu'Abby se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça ? Ouais. Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais ? À cause de quoi ? Il faisait du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de la marchandise. Une bagarre a éclaté, il y a eu des morts. Merde. C'est bloqué. Tu crois qu'on peut couper par le centre de congrès ? On peut essayer. Je vois de la lumière par là. C'est coincé ? Ouais. Tu crois qu'ils vont foutre la merde à Jackson après ça ? Hein ? Comment ça ? Ah bah, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël. Mais ici, c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Viens m'aider. Par ici. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit ? Pour le bébé. Écoute... Je suis sûr qu'elle t'en parlera quand. Je rassemble tous les amis. Qui t'a dit ça ? Le chef en personne. On s'assure que la voie est libre, on attend le reste des unités et on lance l'assaut. La dernière fois, il se frappe pas. J'ai la trouille. On a tous la trouille. Ils surveillent toute la côte. Ils vont nous buter avant même qu'on débarque. Allez, courage. Tu parles comme... C'est pas comme si on avait le choix, de toute façon. Pense plutôt à ce qui va changer si on réussit. Hey. Je vois quelque chose. J'ai du mouvement.
Arrêtez! Quadrillez-moi tout le secteur. Ils doivent pas être loin. J'ai cru les... Les tiens ! Par ici ! Facile. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça, séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé ? Non. T'as de la chance. C'est quoi le délire avec ces affiches ? Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit ? Un rassemblement de gens qui aimaient ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque. Huh?
Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure au sujet de Dina? Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Elle t'a dit si elle peut te le garder? Non. Il est juste à côté de la grande roue. J'espère que Tommy a les mêmes infos. On va où maintenant? J'essaie de voir ça. Passe. Tu crois que tu peux te glisser là? On va voir. Je t'aurais suivi, tu sais. Tu m'avais dit que tu partais. En fait, je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serai venu. Joël t'aimait beaucoup aussi, tu sais. Il pensait que j'avais un faible pour toi. Ah bon? Ben, t'es plutôt pas mal comme mec, mais t'es pas vraiment mon genre. Quoi, t'aimes pas les Asiates? Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Bordel. Il s'est passé quoi ici? Ces types peuvent vraiment pas se saquer, on dirait. Je crois que ça remonte à plusieurs années. Je me demande comment ça a commencé.
Il y en aura assez pour tout le monde. Les intrus!
Une idée? Hé, hey, je crois que c'est par là. Je suis sûr qu'Abby a choisi l'aquarium mais parce que c'est chiant d'y accéder. Peut-être. Putain. Comment on va faire pour traverser? On pourrait prendre cette route. Mais putain, ça fait long. Sinon, il y a ça. Ouais. Ça, c'est mieux. Viens. Par là. On va essayer par là. Alors c'est quoi le plan? On bute ces types et on leur fauche leur bateau? On prend le bateau, ça c'est sûr. Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font. J'espère qu'ils sont pas nombreux. Bordel. Je le crois pas. Par ici, dépêche.
avez un coup de main? Sniper repéré sur vous. Je répète, sniper repéré à la marina. Ferme-moi un marché. À toutes les unités au rapport. Terminé. Merde. Au 4, direction la marina, par le pont. Nous, on reste ici. On attend. Quoi? On est censé attendre ici pendant que les gars à nous font défendre. Les ordres sont clairs. Ils sont bien assez nombreux pour se débarrasser. Accéder à la marina par là. Non, on prend le bateau. Tu les as entendus, ils parlaient de Tommy. On n'en sait rien. Qui ça peut être d'autre? Même si c'était lui, on pourra jamais le rejoindre à temps. Son but, c'est de retrouver Abby, alors on et a si qu'à jamais suivre. Il est dans la merde. Il sait se débrouiller tout seul. J'y crois pas. La meilleure façon d'aider Tommy, c'est de trouver Abby. Je viendrai pas te sauver encore une fois. J'espère que tu vas t'en tirer. Le moteur est reparti. Je le mets où? Dans la marée, beaucoup. Ça marche. Merci, Gamma. Transmets l'info au commandement. Attendez nos instructions. Terminé. Bien reçu. Ça aura un impact sur l'attaque de ce soir? J'en sais rien. On va quadriller le périmètre. On a eu notre lot de surprises pour aujourd'hui. Ça ne me dérangerait pas qu'ils annulent tout. Et alors quoi? Je suis pas sûr que ça soit le bon moyen d'y arriver. Munitions! Oh, fais chier.
visuel. Qu'elle s'échappe. On fonce, elle est à sec. Attention à vous. Ah, merde. On l'empêche de bouger. Thank you.
dois pouvoir franchir ça. D'accord.
Thank you.
Ben voyons, ça aurait été trop facile.
Thank you.
tout ça? Personne ne revient de cette île. Combien de fois Abby a risqué sa vie pour toi? Elle a fait son choix. Moi, j'irai pas la chercher. Alors rentre. Va-t'en. Va chier, Owen. Mets en l'air. Où est Abby? C'était toi, la fille à Jackson. Dites-moi où elle est. Tu promets de nous épargner? Si tu lui dis, elle va nous descendre. J'ai aucune raison de vous tuer, c'est elle que je veux. C'est des conneries. Toi. Approche. Amène-toi, putain! Montre-moi où elle est sur la carte. Ensuite, à toi.
intérêt à ce que ça colle. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Elle est sûrement déjà morte. Ça vaut pas le coup. Stop ! On peut parler. Recule, connard ! Montre-moi où elle est. Mange-toi, putain ! Owen ! Dis-moi où est Abby. Elle est... Où elle est, putain ? Ça va pas le faire. Il y a de la neige partout. Non, d'ici à ce qu'on arrive, tout aura fondu. Où est-ce que tu vas ? J'avais besoin d'air. Qu'est-ce que vous faites debout ? Insomnie. Viens jeter un coup d'œil. L'idée, c'est de rentrer en passant par Ellensburg. Si on atteint Fall City demain, on avance bien.
Ils méritaient ce qui leur est arrivé. Mais elle est encore en vie. Ouais. Tu peux l'accepter ? Ouais, faut bien. Je me serais bien passé de traverser l'Idaho encore une fois. Ce qui devrait te préoccuper, c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer. On a connu pire. Mais au cas où, je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville. Et j'ai aperçu un collier. Il est bien brillant, je crois que c'est de l'or. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je te dis que c'est de l'or. Vas-y, fais voir. Je sais reconnaître de l'or, hein. Si c'est bien de l'or, on peut faire cadeau commun. Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer. Ça va, toi ? Ouais. Ellie ? Ça va. Merci de pas m'avoir laissé tomber. J'abandonne jamais mes amis. Toujours le même refrain. D'accord, alors disons... que mes amis savent pas se démerder. C'est mieux ça. Merde ! Lève-toi! Les mains en l'air ou je bute l'autre! Fais pas ça, Ellie! Fous le camp! Lève-toi, j'ai dit! Écoute-moi, je te dis! Tu la fermes! Merde, d'accord! Arrête! Stop! Jette ton arme! Jette ton arme! Merde! Je sais pourquoi t'as tué Joel! Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat. Par ici.
C'est parti. Bon. Papa ! Bon, comment je fais pour passer au-dessus de la barrière ? Pas passer par là. Je peux peut-être monter sur le toit. Visez-moi ça. 1978. Abby. Tu as de la boue un peu partout, chérie. On a aussi. Où ça ? Juste là ! Oh ! Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête ! C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il n'y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors ? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Comment tu savais que j'étais ici ? Owen a vendu la mèche, c'est ça ? Il a fait ce qu'il fallait faire. Comment t'as fait pour qu'il parle ? Je lui ai demandé. Hé, hey, regarde un peu ça. Oh, waouh, 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Elle est à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, viens, on s'y remet. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon Dieu. Depuis quand t'es au courant ? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. Et d'un coup, vous êtes sérieux. C'est très touchant. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi désormais. Et donc, tu profites de la situation. Abby, regarde. Des traces récentes.
On va voir si on peut trouver autre chose. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage, par hasard? Je ferais jamais ça. Et ça marche? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh! Ça t'arrive donc d'écouter? T'as des éclairs de génie, parfois. Tu vois autre chose? Pas encore. Cherche encore. Abby, viens là! Regarde ça. Regarde ça. Elle a déjà mis bas. C'est le placenta, ça? Exactement. Oh. Et regarde. Deux paires de traces. Papa? C'est elle. On y va! Elle a pas l'air bien. Allez. Papa, attends! Et s'il y avait des infectés dans le coin? On craint rien ici. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton flingue avec toi? Évidemment. Mais merde. Abby! Il faut qu'on la libère. Bien, du calme. Ça en fait pas. Pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok. Abby, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Ouais. Tiens là. Allez. Attention. Ok, tu la tiens bien. Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Et merde. Doucement. Presque. Putain de merde! Tout le monde vous cherche. Attendez! Papa! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Allez! On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais... faut que vous alliez voir. Papa. On y va. On n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte.
C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités, tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène. Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. Pris la bonne décision. Ouais. Si c'était moi, j'aurais voulu que tu m'opères. Encore dans les parages. Abby. Non. Abby, regarde. Papa pas. Papa. Non. Non. Joël. Lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié! Non, fais pas ça! Joël, allez, lève-toi! Non! 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 Va au diable, Pendero. Arrête de te pisser! Eh hey, oh, qu'est-ce que tu fais? Mani. Je fais le ménage. Non, on est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule! Tu te calmes! Ou quoi? Recule, putain! Calmez-vous! Jordan! Tu vas me buter. Stop! C'est fini. Abby ? Oh. Du calme. Ça va pas, Abby ?
Ouais, ça va. Et toi ?